C'est la question cachée. Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, c'est le retour des vidéos ice hockey. Oui, on n'y croyait plus. Vous avez été nombreux sur Instagram à nous envoyer des messages, même sur YouTube. Et vous nous demandiez, mais où sont passées les vidéos? Où sont passées Cam et Bat? Où sont-ils passés? Eh bien, longue histoire. Non, pas du tout, en fait, pour être honnête avec toi, on avait juste plus de temps. Moi, j'avais repris la saison de hockey. Camille, de son côté, c'était pareil, il n'y avait pas beaucoup de temps, donc on a un peu laissé tomber les vidéos. On voulait pas se forcer, donc on n'avait pas trop envie sur le coup d'en faire. Là, on a grave repris l'envie avec tous vos messages et votre soutien, donc c'est parti. On s'est fait un petit planning de vidéos. Je voulais faire justement cette courte petite vidéo de présentation pour te partager les raisons de notre absence pendant plus de 8 mois. Donc voilà, très sincèrement, il n'y a pas vraiment de raison, comme tu as pu le voir, mais par contre, là, on s'est préparé des petites vidéos. Ça va être cool, on va être reparti pour du lourd. Donc dans cette vidéo, je vais te partager le nouveau programme des vidéos qui arriveront prochainement sur la chaîne YouTube. Donc pour l'occasion, active la cloche, abonne-toi si c'est pas déjà fait, comme ça tu pourras être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Tu pourras venir mettre un petit like et comme ça on pourra délirer ensemble. Donc pour la faire court, déjà je sais pas si tu l'as remarqué, mais là on s'est mis dans un endroit un peu plus posé, tranquille, comme ça on peut discuter. D'habitude, moi j'aime bien faire des vidéos où voilà, ça bouge dans tous les sens, les caméras et tout. Là, on se pose. J'ai fait mes petites notes sur mon ordi, donc c'est normal si des fois je tourne la tête. Et comme ça, je vais pouvoir te partager un petit peu le programme des vidéos qui vont arriver prochainement. Et tu pourras me dire dans les commentaires si ce programme te plaît ou si ça pue la merde et si on doit tout recommencer et refaire en fonction de ce que vous me direz. Donc c'est parti. Déjà, vous avez été nombreux à apprécier les vidéos conseils. Donc, le thème des conseils, ça, je vais continuer. Comme d'habitude, je donne toujours des conseils à mon niveau. Je suis pas du tout coach, je suis pas du tout joueur pro au niveau, rien de tout ça. Mais voilà, par contre, je partage des conseils de mon niveau, ce que j'ai appris dans le hockey pendant une quinzaine d'années. Donc voilà, c'est ce que je vais vous partager. On a un très gros programme de conseils bien chargé. Je pense que ça va te plaire. Surtout que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages à ce niveau-là. Et franchement, j'ai été étonné du retour. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien ce genre de vidéo, donc franchement plutôt cool. Donc on reprend ce thème là des conseils, vous aurez plein de vidéos conseils qui va sortir. J'ai préparé pas mal de vidéos, il n'y a plus qu'à les tourner, franchement ça va être du lourd. Après, comme d'hab, ça vous y échapperez pas, hein, mais il y aura des vidéos défis, défis barres, défis poteaux, défis ce que vous voulez, penalty, n'importe quoi. Vous pouvez nous noter des défis d'ailleurs dans les commentaires, comme ça on peut en faire avec vous et voilà, ça peut être cool. On va essayer de se faire des défis challenge avec vous, avec les abonnés. Donc voilà, on continue un petit peu les vidéos défis. Franchement, on se marre bien, on se prend pas la tête, on filme un peu n'importe comment et voilà. Après, dans la thématique vlog, on va continuer un petit peu. Vous avez été nombreux à kiffer les vidéos où on commande du matériel, où on débat du matériel. Donc on va continuer dans cette lancée. J'ai noté plein d'idées de vidéos, je vais pas te les partager tout de suite, mais je te les partagerai au fur et à mesure. Viens bien t'abonner sur notre compte Instagram que je te mets juste ici, comme ça tu pourras suivre un petit peu l'avancée, parce que souvent là-bas je partage un petit peu ce qu'on fait, les vidéos qu'on tourne, etc. en avant-première, donc avant YouTube. Si ça t'intéresse, viens plutôt sur Instagram. Après, j'ai réfléchi, j'ai eu une idée de vidéo, je sais pas si ça va te plaire, dis-le moi pareil dans les commentaires. Pareil, tu me dis ce que t'en penses. Sincèrement, moi je préfère les retours sincères, même si c'est de la merde, tu me le dis comme ça, je le fais pas et au moins on gagne du temps tous ensemble. Cette série d'idées de vidéos, ça serait un suivi de hockey de ma propre saison de hockey. C'est-à-dire que bon, je ne sais pas encore où je vais être l'année prochaine. Je vais être plus dans une catégorie loisirs un peu compète. Je ne sais pas encore où je vais être. Mais voilà, pourquoi pas vous faire suivre tous mes matchs en vous filmant des parties. Je ne sais pas comment encore je vais m'organiser. Vraiment en vous faisant un débrief de ma saison, match par match, week-end par week-end, parce que généralement, nous en France, les matchs c'est chaque week-end, enfin pour le moment de ce que j'en ai fait. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous plaire, mais un suivi bien complet de ma saison. Et également une deuxième série de vidéos en vous faisant un suivi de la saison Ligue Magnus, parce que je sais que pas tout le monde des fois peut suivre, etc. Alors qu'une petite vidéo, je sais pas, par exemple le dimanche, je sors une vidéo avec les récaps de ce qui s'est passé la semaine en Ligue Magnus. Pourquoi pas essayer de trouver les meilleurs buts et essayer de vous récap ça dans une courte vidéo d'une dizaine de minutes. Je vous fais un débrief de tout ce qui s'est passé en Ligue Magnus durant la semaine. Donc pareil, dites-moi si ça peut vous plaire, franchement.
Moi, je suis un peu hypé. Franchement, j'ai grave hâte de voir tout ça. Moi, en plus, je suis un peu en temps réel. On peut regarder les matchs. Des fois, je peux aller voir les matchs à Grenoble parce que je suis pas loin. Donc, franchement, ça peut être cool. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Que je fasse pareil, un peu un récap, comme un peu un journaliste. Je sais pas, peut-être que je m'enflamme. Donc, voilà. Franchement, ça peut être cool. Et après, bien évidemment, on va continuer les sessions de roller hockey ou de hockey sur glace à voir. Mais pour ça, je réserve une petite surprise. Voilà, j'ai fait un peu d'investissement, c'est juste là, je vais te montrer tout de suite. J'ai acheté une petite GoPro 10, franchement, regarde pas si vous voyez bien, je pense que oui. Franchement, tout car, la GoPro. Mais voilà, du coup, petite GoPro, j'ai acheté tout le matos qui va avec. J'ai même la petite sacoche, du coup, je peux même accrocher ça, attendez une petite seconde. Je peux même accrocher ça à ma tête là, ou alors je peux même le coller sur un casque. Donc voilà, je vais pouvoir faire un petit peu des petites vidéos avec la GoPro. On va tester, vous savez quoi, on va tester tout de suite la qualité de la GoPro. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'allumer devant vous. Elle s'allume. On va faire quoi? On va filmer. Normalement, ça devrait marcher. Donc là, on est sur la caméra de la GoPro. Je sais pas. Pour l'instant, je teste la qualité. Voilà, tranquille. Là, vous êtes là-bas. Et voilà. Donc, nickel. Pourquoi j'arrive pas à éteindre ce bordel? Ah, ça y est. Voilà. Comment ça? Et toi, tu sonnes? Bon, j'en ai marre. Bref, voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Donc, si vous avez des idées, pareil, n'hésitez pas. Ah non, j'avais oublié, j'ai failli oublier les vidéos NHL. Pareil, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Bat, est-ce qu'on peut jouer ensemble et tout. Donc voilà, pourquoi pas essayer de mettre en place ça. Ça peut être sympa. Petite vidéo NHL, on va continuer sans se prendre la tête. Je vais passer la caméra à Camille. Comme ça, il te fait un petit coucou de chez lui et il te laisse un petit message. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pense à t'abonner, à mettre un like, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo Ice Hockey. Ciao! Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Enfin, non, vous ne rêvez pas. On est de retour en vidéo. Et cela pour très longtemps parce que vu le programme que Bat vient de vous énoncer, il y a de quoi faire. Ça me tenait vraiment à cœur de vous laisser un petit message au milieu de cette vidéo parce que quand je vois tout le soutien et tous les messages que vous nous laissez sur Instagram, franchement, ça fait kiffer. Donc déjà, un énorme merci pour tout le soutien que vous nous apportez, ça fait vraiment plaisir. Bon, en vrai, que vous dire de plus après tout ce que Bat vient de vous énumérer? Je pense que ça vous a hypé autant que nous de reprendre les vidéos. Donc j'espère que ça va vous plaire. Franchement, il va y avoir du lourd, que ce soit au niveau des conseils. Comme Bat l'a bien dit, les défis, ça c'est vraiment, ça me manque ça. Sans parler des roller hockey cet été, franchement, ça va être une tuerie, je pense. En plus, avec notre nouvelle GoPro, comme il vous l'a montré, la qualité est incroyable, le son aussi. Franchement, c'est un des meilleurs investissements qu'on ait pu faire, pardon. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur ce sujet, parce que Bat vous en a parlé déjà pendant les 7 dernières minutes de la vidéo. Donc on va passer directement aux choses. Je voulais laisser un message dans cette vidéo à tous ceux qui nous découvrent maintenant, qui n'ont pas eu l'occasion de nous découvrir avant. Donc je voulais vous récapituler brefement tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Pourquoi est-ce que tu devrais t'abonner? Pourquoi est-ce que tu devrais lâcher un like? Pourquoi est-ce que tu devrais activer la cloche? C'est simple, en vrai, Bat et moi, on est deux passionnés de hockey depuis très longtemps. Moi personnellement, à cause de mon travail, j'ai dû arrêter les entraînements, mais je suis toujours autant passionné par le hockey. Vraiment, j'adore ça. Tous les jours, je m'intéresse au hockey, je regarde les matchs, je suis les actualités. Les week-ends, quand j'ai le temps, je m'entraîne, je vais faire du roller hockey, je vais à la patinoire, enfin bref. Quant à Bat, lui, il fait sa dernière saison de hockey pour l'instant à Villard-de-Lans. Il va sûrement reprendre l'année prochaine à Chambéry, mais bon, il vous en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? Bah, c'est tout simple. En vrai, on fait du roller hockey, on fait du hockey sur glace, on donne des conseils pour les débutants. Donc, si t'es débutant, en vrai, abonne-toi. On fait des catégories de vidéos avec tous nos meilleurs conseils en fait pour évoluer dans le hockey. Ça passe par le maniement, le patin, le mental, les exercices hors glace, etc. Mais en vrai, cette chaîne, elle est quand même dédiée au kiff. Comme tu pourrais aller le voir sur notre chaîne, on a plein de vidéos défis, des défis barres, des défis poteaux. On fait aussi des défis NHL avec des abonnés. Ça va arriver très prochainement, comme Bat te l'a dit. Et encore, c'est que le début, parce qu'on doit avoir quoi, une vingtaine de vidéos, c'est que le début. Il y a encore beaucoup de choses qui sont écrites seulement sur du papier, mais qui vont bientôt être réalisées en vidéo. Et je pense que ça va vous faire kiffer. Je voulais particulièrement remercier ceux qui sont là depuis le début, et puis entre guillemets accueillir les nouveaux qui nous découvrent via cette vidéo. Donc moi là, je vais vous laisser, je vais aller au sport. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Attends, en fait, je te récupère ici. T'as cru que t'allais partir comme ça? On n'a pas oublié la question cachée de cette vidéo. En fait, je viens de réfléchir, mais en fait, j'ai pas de question cachée. Bon, c'est pas grave, c'est pas une question cachée, mais c'est simplement, on te demande ton avis dans l'espace commentaire. Dis-nous justement et simplement si le programme des vidéos qui vont arriver te plaît. T'écris n'importe quoi dans les commentaires ou alors tu likes les commentaires qui sont déjà écrits. Pense à venir t'abonner sur Instagram, c'est là où on va faire suivre justement toutes nos idées de vidéos, c'est là où on est le plus actif.
Donc pareil, TikTok, ce que tu veux, tu t'abonnes comme d'habitude. Et cette fois-ci, je te laisse tranquille. À la prochaine. Ciao.